Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. C'est Edition Chita, tant de nouvelles, ça qui entre la caillou. Moi, c'est Met Info, quel que soit côté branché. Nous disons bienvenue sur le canal Information sans force côté à policiers. Continuez à compter cadavres. Nan mi tan yo, yon policier Udmo mouri en babal, yon lot blessé gravement. C'est en tout cas bilan provisoire affrontement qui était pété. Nan mi tan journée lundi a, entre policiers qui étaient sortis dans plusieurs unités spécialisées. PNH là avec groupe fantôme 509 qui te prend la rue dans commune Delmar. Parents, policiers, victimes dans le village de Dieu continuer à manifester dans Port-au-Prince pour réclamer eh bien petitio qui mourit dans mauvaises conditions pour capable faire deyo ben enterrer dans dignité et respect. Pendant ce temps, M. Jovenel Moïse lui-même, l'été, Nantigouave, pendant le week-end, samedi qui s'est passé à la côté, l'été, à l'ran, une visite à Baye, parent, mais policier, et qui relait Ariel Poulard, qui lui-même tout est mort dans le canage village de Dia. M. Jovenel Moïse promet, parent policier, eh bien, l'a fait cool qu'on ait pour le bal cadavre là. Pour les capables de faire deuil, eh bien, pour Maril. Entre-temps, pendant M. Jovenel Moïse a parlé avec parents policiers en dedans, en privé, eh bien, tu as gagné l'agent Milgood qui t'a distribué des la population qui était en colère, tu as voyé mauvais toya et puis tu as déchiré Milgood, ça a dit qui c'est mauvais l'agent. Organisation Nous Conscients Petro Challenger continuer à critiquer M. Jovenel Moïse. Il dit qu'il continue à prendre décision dans tête l'État, mauvaise décision dans tête l'État, mais alors que mandat finit depuis 7 février 2021. Dans ce sens, nous conscients, fait qu'on est, eh bien, li a pillé carré barré, 3 journées manifestation, eh bien, qui projeté là pour date 28, 29 avec 30 mars cap venir pour forcer M. Jovenel Moïse quitter pouvoir dictati li a dirigé. D'après ça, Petro Challenger fait qu'on est. Amis téléspectateurs, amis internautes, nous rentrons dans le développement information yo, mais sans camper, fantôme 509 tenalari encore journée lundi a, eh bien policier national, police nationale a continué à compter cadavres dans Mital, Mistal Pierre Richard, c'est non yon agent Udmo mais qui mourit en babal dans mitan journée lundi a. Dans la commune Delma et pendant ben yon lot nan yo blessé gravement par balle côté ou te couri akli dans l'hôpital Bernameuse pour le prendre soin cal mérité. Donc c'est en tout cas bilan et pas disons bilan et partiel affrontement qui te gagné entre plusieurs et unités spécialisées dans PNH là avec groupe fantôme 509 même qui te prend la rue mais pour te continuer réclamer cadavre 5 policiers qui mourit dans massacre village de Dia la date 12 mars qui saute passé à la. C'est agent policier qui était sorti dans plusieurs unités spécialisées PNH là tant que Udmo Simo Bri avec Boyd qui était déployé pour empêcher fantôme 509 yo ra poursuivre avec mouvement yoa et qui t'apral déboucher sous affrontement entre agents plusieurs unités spécialisées PNH là avec groupe fantôme 509 yo et tous les 2 victimes yo sorti encore dans camp police nationale d'Haïti qui t'a tenté prendre contrôle situation. Donc c'est dans le même moment ça tout fantôme 509 yo t'apral disparaître même la presse et même patouet qui côté et ben fantôme 509 yo t'est passé toujours information qui a rapport avec policier qui mouri dans village de Dieu yo. Plusieurs centaines de citoyens qui étaient sortis dans zone Delma 32 côté policier Vivender Georges Alexis yon nan policier qui était mort dans village de Dieu et eh ben il était vivre mais il était manifesté dans la porte au prince journée dimanche là pour être capable réclamer dans main direction générale AI directeur général AI PNH là Léon Charles mais cadavre policier pour être capable enterrer dans dignité avec respect.
manifestant sa yo qui t'est sorti dans Delma 32 te prend Delma 33 pour yo yo pas arrivé dans devant direction générale PNH là dans Clessine à cause la police était bombardée par yo avec supporters policiers défunt yo avec beaucoup de gaz lacrymogène. Yon attitude protestataire yo dénoncé parce que yo dit yo nan droit yo y a préclamé cadavre petit yo qui mourit nan mauvais conditions. Nous invitons côté plusieurs nan protestataire. Et je vous dis, nous promettons sous nom Vivendin pour nous rendre nous parlons de son dernier hommage parce que bataille n'a pas encore fini. Mais au moins, ça un geste symbolique pour nous dire que nous ne pouvons pas quitter le cadavre Vivendin parce qu'il est un bouchier. J'ai un tarbon, mais nous pouvons faire un village de Dieu. Mais je veux dire, nous voilà là, c'est une façon pour nous montrer qu'il y a une mobilisation pour nous la continuer. Mais je veux dire, de matin à 10h de la résistance, tout peut permettre de nous, la police a soumettre moi, tout police est révolté, tout police est rébellion. Il y a tout le monde, les messieurs, je dis à son emportement pour nous dire que nous ne pas quitter le cadavre passé, tout ça, comme nous sommes, pour nous jouer au moins pour nous mettre. Il y a un côté, là, vous parlez symbolique pour nous, nous avons tous les policiers qui tombent mal. Les policiers, là, nous prenons la regarde, pour policiers joyeux, les gars, tout est dans le village. Quand nous déplacer là, quand nous déplacer, regarde, messieurs, si moi, on soit, on a pris dans nos gaz, c'est pas de violence, c'est pas de regarde, nous avons fait un monde, nous avons de justice pour joyeux, regarde. Pour toute la police, même pas à l'aise, on va mettre ça dans nos cases. Je vais pas mettre nous, on va mettre des chefs lumières pour tout le monde. Mais si je vais mettre la justice, on va aller voir, on va mettre nos cases. C'est un rien, on va mettre un monde, on va mettre un coup, on va mettre un gaz, on va mettre un but. La police là, on va mettre un cadavre. Je vais aller dans le village, on va mettre un cadavre, on va mettre un cadavre là. On va mettre un corps, on va mettre un corps. Mais je vais dire, ça va se passer. On va mettre un gaz, pour qui ça, ça qui est. Bon, nous va conduire sur l'état, comme l'état accompli, comme l'état va passer. Joy c'est un jeune idéal, le quartier pour nous. Joy pas de police pour nous. Joy c'est un jeune, lui respecter ni tout le monde, ni comme nous. Joy fait 4 ans de Joy, non, 4e année de droit. Joy quitte là le policier. Joy arrivé, il passe polifon, il passe police nationale, là non soit. Joy a une opération, là il veut mourir dans l'opération. Léon Charles, elle est pour là pour quoi? Village de Dieu, là le négocier avec Iso, là le bon chat. Il quitte quoi, Rwanda? Journée, je dis, monsieur, nous mobiliser pour nous marche pour lui. Nous avons demandé justice pour Joy. Elle est pour la police d'accompagner nous, des gaz et bon nous, pour ne pas arriver devant des gens. Nous demandons la police, journée, je dis, on a privé des gens devant des gens, pour nous demander justice pour Joy. Et pas gaz, nous besoin, c'est injustice, nous besoin pour Joy. La maison n'est rien là pour nous, Gaza. Nous demandons un extérieur, entrer la caillou, c'est pour rien, après, on dit qu'elle a l'arrière. Et je dis, là, nous demandons que jeune garçon, nous demandons que l'organisation coupe là, nous demandons ta famille, 100 000 policiers, les attendent, pour nous prendre la rue. Nous allons manifester pacifiquement. La police finit par gaz, la police finit tirer gaz sur nous. Je les dis là, nous tirons gants, nous comprenons, ça fait, il fait tout passer ça. C'est 4 points, 6 milliards, complètement au carré de là, pour faire sinon une sociaux, la santé, l'éducation, et qu'on gagne pour nous. Et on peut tirer ce comme là, il y a chez âmes, nous devons tout bientôt, nous tirons gants, pays à faire fermer, tout autant, nous va jouer, pour faire d'amour, pour zombie nous, qui l'a pourri, qui a pourri, qui a pourri, le village des jeunes, le même bandit, parce que je les dis là, nous un état priorisé, chat, priorisé. Tout ça sont communal, tout commune, c'est même tout corridor, tout autant pas. En tout cas, si parents victimes eux-mêmes, ils ont continué à réclamer cadavre 5 policiers qui étaient morts dans le canage village de Dia sans, eh ben, ils n'ont pas joindre aucune réponse 11 jours après dans main autorité. Monsieur Jovenel Moïse lui-même, il était rendu une visite là dans Tigouave samedi passé à mais côté il t'a visité madame policier Ariel Poulard, yon nan policier victime qui t'a vécu dans victime dans village de Dieu qui t'a vive dans Tigouave avec famille. Dans occasion visite ça, monsieur Jovenel Moïse promet eh bien l'a fait cool qu'on est pour le capable remettre parents victime ça cadavre là pour le capable faire en témol. Donc tu gagné en même moment 1000 goud qui t'a distribué DEA dans moment monsieur Jovenel Moïse t'a parlé avec parents victimes là yon geste monde qui était présent sur place désapprouvé. Nous invitons à écouter yon après l'autre monsieur Jovenel Moïse avec réaction population lui-même qui t'est déchiré 1000 goud sa yo yo dit qui c'est mauvais l'agent. Nous invitons à suivre. Papa, grand frère, cousin, c'est l'international. Si vous regardez, président.
pays à tout. Vous regardez-vous à yeux, vous pouvez entendre une souffrance, mon âme de avec deux timons au bras, vous venez, mon chita, vous parlez, nous autres causer, et vous parlez un petit peu l'État, mon yo calme, quoi yo pour une crier, sous cadavre, famille, non seulement la boumé, pour que l'État a cherché cadavre, et tout, fond de travail pour l'État capable de charger. L'autre information, Petro Challenger nous conscient continue à critiquer M. Jovenel Moïse Lidi qui toujours été coqué sous pouvoir malgré mandat fini depuis 7 février 2021. Ben, pendant le continuer à prendre une bonne décision tête en bas dans tête l'État, nous conscient dénoncer tout OEA, ONU avec plusieurs autres acteurs non internationaux là. Il dit qu'il toujours a supporté M. Jovenel Moïse malgré lui échoué dans la mission dans le pays d'Haïti. Dans ce sens, nous conscients dit qu'il a appuyé carré barré 3 journées de mobilisation plusieurs secteurs dans la vie nationale lancée pour 28, 29 avec 30 mars qui a venir là. Pour dire non avec dictature dans le pays d'Haïti, nous invitons à écouter Eben Skade qui se porte-parole nous conscient. Il a dit clairement, depuis le 7 février 2021, suivant article 134-22A, le moment où le mandat journal fini. Et depuis 7 février 2021, toute action la posée, c'est de l'action illégale, c'est de l'action arbitraire. Et je dis, nous étonnés pour nous, Jovenel Moïse, à demander à l'ONU, à demander à OEA appui pour être capable de résoudre la question de sécurité dans le pays. Nous avons rappelé à la population, l'OEA, l'ONU, l'administration américaine, ce sont les véritables artisans de la crise haïtienne aujourd'hui. Ils ont contribué dans le bon Michel Martelly, dans le bon Jovenel Moïse et ensemble de actions qui sont posées là, crise, nous la jodia, c'est eux-mêmes qui sont à la base. En ce sens, si on à la base, si c'est véritable artisan de crise là, nous ne pouvons pas demander pour appuyer pour venir résoudre la crise là. Il faut être clair sur la question, il faut être clair dans la démarche là. Donc Jovenel Moïse, besoin de nos dynamiques pour faire d'autres militaires étrangers fouler le sol là pour être capable justement qu'un des pays en otage. Projet à pas de bagaille que ça. C'est ça que je dis à nous qu'on s'est dénoncé. Il y a une prochaine occupation, occupation militaire dans le pays. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, mobilisation a commencé, nous avons continué. Chimé en nombre, mais nous avons continué. Nous disons, discours à nous en clair, je dis, dans la rue, c'est à bas la dictature. Vive la démocratie. Discours à clair. À bas la dictature, vive la démocratie. Et c'est dans ce sens, nous disons, tout le groupe, toute organisation internationale qui a soutenu la dictature d'un pays, il y a besoin d'entrer pays à nos cycles de guerre civile. Et nous-mêmes, nous clairs, bataille pour déchouquer le régime PHTK. Et c'est dans ce sens, la mobilisation qui a continué, consultation ensemble avec ensemble de secteurs, particulièrement le secteur religieux, une discussion ensemble avec eux. Et dans le cadre, ça, la mobilisation qui a continué, nous adopter. Et nous-mêmes, nous conseillons, nous supporter Kaïbaré, 28, 29 mars, 30 mars, 3 grosses journées de mobilisation qui préparaient avec le secteur religieux et d'autres et organisations de la société civile. Là. Et nous avons attiré l'attention population sur 29 mars. 29 mars, là, un ensemble de pays, un ensemble de peuples qui déclaraient journée de solidarité avec le peuple haïtien par rapport à niveau crise la vivre là. Et c'est dans ce sens ça, nous conscients, demander pour 29 mars, 28 mars, 30 mars,
tout le monde descend dans la rue. Jeune garçon, jeune femme descend dans la rue. Docteur descend dans la rue. Syndicaliste descend. Médecin descend. Tout le monde en général descend. Parce que ça n'a vu aujourd'hui insécurité. Ça n'a vu aujourd'hui misère. Ça n'a vu aujourd'hui comme situation de crise. Nous ne sommes pas capables encore. Et nous continuons la bataille jusqu'à ce que nous déchouquions PHTK. Yon lot pa, mam nou konsyen yo kritike desisyon l'Etat ki wete dola Ameriken nan men malere yo, ben pandan li bay gwo monsye la bank yo, l'ajan sa, dizon l'ajan pepla. Nou konsyen di, ben li pa posib pou genye moun ki ap travay, gen paran yo kap travay di al etranje, voye ti l'ajan Ameriken pou paran yo isi nan peyi d'Haïti. Eh bien, pour l'État lui-même, avec Bankyo, séparer l'agence A entre eux pendant la vie chère à pété fiel, peuple haïtien. Nous conscients, déclarer, c'est une politique, autorité dans le gouvernement appliquée pour le capable de faire peuple la vie plus pauvre chaque jour plus. Cependant, il y a continué à soucier, piller, tirer réserve. Banque centrale là, nous invitons à suivre yon nan membre nous conscients. Et en 2004, nous connaissons en pile tour politique. Tout, nous avons dit, réserve net d'échange là, c'est 40 millions de dollars américains. En dépit de tout ça, nous avons en 2004. En 2017, en mai 2017, je viens de mon pays, tout, réserve net d'échange là, c'est 1,8 milliard de dollars américains. Eh bien, en mai, en février 2021, tout est montant réserve net là, il est évalué à environ 4 millions de dollars américains. Ça veut dire quelque part que les gens à fond paquet, à fond paquet de cités chats, à gaspiller l'argent pays malement, qui fait jouer aujourd'hui à la fond et pas sur nous en tant que consommateurs. Donc à contacter jouer aujourd'hui à sous marché d'échange dans les trois taux. D'un côté, BH sorti un taux, maintenant là, c'est 78,41 gouttes. Et puis, aller sur marché d'échange, marché informel là, n'a joué environ 100 gouttes. Aller dans le magasin, n'a joué ni. À n'importe 100 gouttes, qui est-ce qui a payé pour casser? C'est nous-mêmes consommateurs final, c'est nous-mêmes qui vivons dans le quartier populaire, c'est nous-mêmes qui travaillons dans le facteur qui a payé pour casser. Nous, l'État, ça n'a pas de capacité pour répondre avec les gens de besoin. Et de l'autre côté encore, il y a des choses qui sont fondamentales pour nous. Si nous-mêmes, en tant que consommateurs, en tant que citoyens, nous ne pouvons pas camper pour nous retirer le régime ça sous pouvoir, c'est nous-mêmes qui a payé pour casser. Parce que l'ONU économie, côté que. À chaque fois qu'on problème, Banque Centrale fait injection, et puis il va répondre avec besoin, et puis nous voyons, réserve net là n'est pas fini, a révisé à la baisse, il va faire un impact sur nous. Parce que l'économie n'a pas de passage économique. Il y a un régime qui fait 10 ans, pas de passage économique. Il n'y a pas de création d'emploi pour les jeunes. C'est la fermeture de petites et moyennes entreprises. Ça va dire nous, hein? Nous avons constaté les jeunes qui habitent le pays. Avant là, et quand Américains, il y a un paquet haïtien qui a quitté Haïti. Ça veut dire. Qui ça? Ça veut dire parce que le gouvernement qui l'a fait 10 ans, il va être en intérieur. C'est une corruption, c'est insécurité, c'est kidnapping, c'est mauvaise gouvernance qui fait jouer nos à nous même en tant que jeunes. Pas qu'il possibilité de nous faire entrer dans la de l'université à mon travail, nous sommes obligés de quitter Haïti malement. C'est, on dit nous ça. C'est la raison pour laquelle Jean-Paul Chakaï sorti là. Il y a 3 jours de mobilisation qui lancé, qui s'est 28 F30. Nous faisons appel avec toute population haïtienne pour nous lever camper, pour nous retirer au plus vite que possible. Jovenel Moïse et JPHTK dans tel pays. Parce que nous avons constaté OEA et le groupe a parlé d'élections. Nous voulons dire, nous voulons nous concerner. Les élections ne sont pas propices en Haïti avec Jovenel Moïse. Le pourquoi? Nous n'avons pas qu'à l'élection avec nous, Mandal Fini, depuis 7 février 2021. Nous n'avons pas qu'à l'élection avec nous, que et si son pays nous dit qu'il participe à l'engagement de l'argent de Calbé. C'est une aberration de notre part d'accepter nos bagages que ça fait dans notre pays. Nous ne pouvons pas aller à l'élection avec le monde qui gangsterise tout le pays. Nous ne pouvons pas aller à l'élection avec le monde tout, côté que l'écraser toute institution. Nous ne pouvons pas aller à l'élection tout avec le monde, côté que nous avons des conditions techniques qui ne sont pas réunies.
Dans ce sens, nous disons que l'élection n'est pas obéissante dans le pays. C'est une transition de rupture, une refondation, je l'ai dit, nous-mêmes au niveau de nos conseillers. Une transition de rupture, le pouvoir. Nous ne pouvons pas accepter notre pays. Et après, nous avons une élection crédible pour nous avoir des directeurs, des équipes d'affaires dans nos chambres sénat. Et soit au niveau des chambres de vidéo, comme d'accord avec ça. C'est des jeunes femmes, des jeunes garçons, des citoyens crédibles pour qu'ils vivent au bureau de l'État. Nous ne sommes pas d'accord. Notre transition de rupture, ça vient à parler pour nous avoir des gens tellement dans le pays. Non. Nous sommes en train de nous garantir les Haïtiens, nous ne pouvons pas garder les gens dans le pays encore. Okay? Nous ne pouvons pas garder les matériels au niveau de la présidence, nous ne pouvons pas garder les grâces à l'État au niveau du Sénat. N'a fait un coup de pied dans le pays étranger qui a pris direct dans le pays États-Unis après des mois. La remporté gros succès dans le pays États-Unis, succès sous succès. Tant que budget, plan relance, économie américaine, non, eh bien, qui passait, disons, dans deux chambres, dans le Sénat avec la chambre représentant. Eh bien, président Joe Biden a fait face avec premier gros difficulté dans le pays États-Unis après 60 jours mandat. Même dans le parti démocrate là qui s'est parti président, ben gagné en pile voix qui levait ben contre décision, quelques décisions la prend. Yo fait qu'on est Jean Joe Biden traité dossier immigration, ben ça la cause, c'est ça qui la cause gagné un bon monde qui a couru quitter zone Amérique centrale là, ben pour miser avec insécurité pour y aller tabli basio dans pays États-Unis. Côté Kounia là, dans zone frontière entre pays Mexique avec pays États-Unis, ben gen yon bon moun ki massé et qui continue à traverser frontière pour y rentrer dans pays États-Unis, pas bon et pas paquet. Président Joe Biden devant gros ça peuple américain, et ben il promet la prend la parole sous dossier ça jeudi qui a venir là dans semaine ça. Donc quoi que il te doit parler sous ça déjà puisque c'est un dossier brûlant dans pays États-Unis. Zami téléspectateurs, amis internautes, c'est là nos campeurs qui disent information ça, c'est des amis frères mettez faut qu'il observe nous casser rendez-vous demain même là même chaîne non si papa bon Dieu content. À bientôt.